Bonjour tout le monde, c'est Natnat, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Flix. Salut. Sur Zelda Ocarina of Time, donc à côté de notre Epona qu'on avait récupéré dans le dernier épisode. Et avec le grappin en haut à gauche. Oui, sur des boutons C. Oui, des boutons C. Donc devant les voies perdues, enfin devant l'entrée du village, pardon. Enfin là voilà. On passe dans les bois perdus. Oui, c'est... Et là normalement on est au village... Non. Non. Forêt Kokiri. Oui. Et vous voyez qu'il est un peu infesté de monstres. Bah tu vas pas voir les maisons toi. Tu les envoies direct. Bah oui. C'est inintéressant les maisons. Ouais totalement, mais c'est pas grave. Si, il y a peut-être un ou deux quarts de cœur, mais on les prendra plus tard. Ah, je sais même plus où ils sont. Donc... Oui moi non plus. Mais tu peux en trouver, je sais plus où. Et puis on a besoin d'un haricot magique pour un endroit. Ouais mais de toute façon le haricot magique faut pas en mettre tant qu'on bah oui, c'est ça. Fait avec les bêtes. Sinon c'est mort. Et donc là, on doit se rendre au bosquet sacré. Si vous vous souvenez, c'est là qu'on avait rencontré Zelda. Non, pas Zelda. Non, Saria. Oui, Saria. Et qu'on avait appris le chant. Le chant de Saria. Ouais. Et tiens, il y a... comment il s'appelle, lui? Mais qui êtes-vous? Votre habit Kokiri ne marche pas. Je ne suis pas né de la dernière giboulée. J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne. C'est Mido. Voilà, Mido. Gros con. Mido. Elle est géniale cette musique. Cette mélodie. Saria l'a joué tout le temps. Vous connaissez Saria? Non, pas du tout. Cette chanson. Saria ne l'a enseignée qu'à ses amis. Ok, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. Parce que je suis l'autre. Ah non mais il est trop con pour comprendre. Ouais c'est pas faux. Alors là c'est où? Je sais plus. C'est pas le bouquet sacré. Le bouquet sacré. Le bouquet sacré, toi vraiment bravo. Et ça doit être là à gauche je crois. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite. Et là c'est à droite. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. C'est ça. Ouf. Ah oui, alors là... Oh là là. À partir d'ici, nous allons emprunter d'étroits passages. Si tu procèdes prudemment, tu surprendras certainement quelques monstres. Utilise la visée Z pour toujours regarder dans la bonne direction. Oh là là. Axe-toi pour voir le fond d'un couloir avant de bifurquer. Une fois bien placé, maintiens Z pour faire un pas de côté. Ainsi, tu ne seras jamais pris dans une embuscade. Par contre, là, le lait que t'as dans tes bouteilles, il date de 7 ans. C'est pas grave. La fée aussi, elle est enfermée depuis 7 ans. Voilà, parce que là, il y a des petits trucs... Oui, petits. Attends. Mais, pourquoi ça marche pas? J'ai pas réussi. Je suis pas doué. Bon, on va attendre qu'il se retourne. Attends, on peut passer par là sinon. Ah non, dommage. Non. C'est pas grave, il nous en a enlevé un demi-cœur. Non, il t'a rien enlevé. Attends qu'il se retourne. Cette visée elle est vraiment pratique. Ouais. On le pète dans le cul. Faut pas chercher. Ah non. Oups là. Il est trop loin. Bah écoutez, ça sert à rien de toutes les buter. Oula. Hop. Donc normalement, il y en a un dernier juste là. Ah oui, après, il y en a un gros... Ah non, il est pas là. Il y en a pas ici. Si, mais je crois il fait l'angle. Ah. Ici. Voilà, et donc lui, il est vraiment casse-pied, je trouve. Ouais, mais ça va. Juste pas se tromper.
Et je crois qu'on peut le buter et il nous donne des rubis. Je crois qu'on a même pas besoin de le figer. Bon, c'est ça. Non, mais tu peux le figer au cas où t'es une 3 000. Il me semble qu'il donne pas mal de rubis, je dis. Ça fait du feu vert en tout cas. Ouais, ça donne pas, ça donne 5. Voilà, 20. 20, d'accord. C'est bien quand même, hein. C'est quoi les rubis très grands? C'est pourpre. Ouais, c'est les pourpres. Ils sont super rares. Ah, elle est pas là. Saria n'est pas là. Dommage. Enfin, toi, elle n'était pas tant que ça. On s'en va ça. Alors, regarde à côté de toi. Eh ben, c'est qui lui? Oh là là. Celui qui suit rien. La course du temps est cruelle. Sa vitesse est perçue différemment par chacun. Mais personne ne peut la modifier. Dommage. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Pour revenir ici, joue le menuet des poids. Ah, je connais pas. T'es cool. Toujours. Ah oui, je l'aime vraiment bien, lui. Moi, je les aime toutes. En même temps, c'est bien cherché, quand même. Allez. S'il te plaît. Sans rythme. Oui, j'en ai marre. Tout dit. C'est joli. Ouais, avec plein de petites particules qui tournent autour de lui. Oui. Ah, c'est très bien. Nat, à très bientôt. Ok, au revoir. Ciao. Ça, c'est comme ça. La nourrice de Zelda. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'était honte. Oui. C'était super. Il se retourne, psh, et il est parti. Ah, c'est assez grand. Non, c'est qu'on se rapproche, oui. Il faut faire sur la ligne, il me semble. Ça, je crois qu'on s'en fout. Enfin, genre que ça a marché partout. Mais justement, je suis pas sûr que ça a marché sur les autres bouts de l'arbre. Là, il y a plein de choses à faire, hein, pour déjà. Oui. Alors, je sais pas s'il y a une araignée ou pas. Quoi, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, toi, tu vas me pas faire chier. Tu vas me pas faire chier, bien sûr. Allez, crève, là. Fais gaffe, il y en a un autre, si tu vas de l'autre côté. Mais je vais pas aller de l'autre côté. Ah, c'est ça, il y a une araignée, là. Il me semble. Où ça? Bah, à droite. Ah, oui. Une sculpture. Elle dort. Elle dort, pardon. Putain. Alors lui. Prenons-la maintenant, sinon on ne va plus s'en souvenir. Bah là, il va falloir prendre. Hein. Il va falloir retourner dans plein d'endroits. Bon, et ensuite, on avance sur la poutre. Et on se TP. Pardon. On se TP pas vraiment. Ça tire jusqu'au coffre. C'est... Le coffre il bouge pas, il est il est vissé dans le... Oui, vous trouvez une petite clé. Voilà, donc dans les donjons, à présent, on va avoir besoin de petites clés pour déverrouiller des petites portes. Non, c'est une grande porte. Grosse clé pour déverrouiller une grosse porte. Ouais. Hop, comme ça, elle est butée. Bon, sinon c'est chiant. Pour ça, le grappin il est vraiment super utile. Oui. Alors... Tiens. Des esprits. Donc là, c'est les esprits qui ont les flammes. Et donc, quand les flammes sont pas allumées, ça descend. Voilà. Bon, il y a un peu de bruit à côté. Hein, mais... Je sais pas si vous l'entendez. Bah, je crois que c'est des gens qui font un déménagement. Oui, je sais pas trop. On s'en fout. Alors, à droite sur le mur, il y a une sculpture là aussi. Ouais, il y a plein de sculptures là. C'est super. Il me semble qu'il faut aller direct ici. Oui.
Il faut peut-être s'approcher là pour apprendre. Oh non, très bien. C'est bien, on a eu 3 super facilement. Enfin, 3, il y en a une, c'était dans la vidéo de, précédente. Hein. Ouais, mais c'est pas bon. Oh. On s'en va. Voilà. Oui, c'est ça, donc faut d'abord venir ici. Ouais, c'est bien ça. Donc là, c'est les ennemis un peu plus forts que les lézards qu'on avait eu enfant. Oh, regarde. Stalfos, attire-le et observe bien ses mouvements. Attaque quand il baisse sa garde. Bon, donc c'est toujours pareil, évidemment. Zut. On va boire du lait après. Oui, ils font vachement mal. Mais ça va, là, toi, tu commences à être un... Ouais, je suis vachement pas doué quand même. Oui, bon, bah ça, c'est normal. Mais... Faut jamais laisser l'écart trop grand. Oui. Sinon, il saute. Et c'est, ça fait super mal. Faut arriver à esquiver à chaque fois qu'il saute. C'est pas forcément évident. Oh, je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. C'était joli. Oui, je suis d'accord. On l'a pas direct? Ah si. À moins que je me trompe? Non, oui, je me trompe. Non, non, non. On l'a pas direct. Tu te trompes. Après, il y a des fées, je crois. Oui, oui. Bah, on va en. Bah, on va utiliser une. Et ensuite, prends-en une. Non. Youhou. Mais... Je veux que tu me régénères. Merci. Voilà. Pour ça, les petites fées, c'est tellement utile. Il n'y a pas de grosses fées. Ouais. Alors... Il faut aller dans le labyrinthe, là, non? Bah, je crois, mais il y a les fées qui te suivent comme... On peut faire ça aussi. Je sais plus comment elle s'appelle. Navi. Et il y a des petites fées qui te régénèrent, là, qui meurent instant. Non, qui disparaissent, elles meurent pas. Ah, c'est ça, donc on peut direct sortir. Mais je sais pas s'il faut direct sortir ou pas. Je crois pas. Tu peux toujours aller voir. Hein. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Parce que, oui, non, faut... Il n'y a pas grand chose à faire hein, pour l'instant. Bah, il y a le puits, mais oui, voilà, faut le vider. À moins qu'on puisse direct faire quelque chose de là-haut, mais il me semble que non. Dans mon souvenir, non, mais. Non, c'est ça. Hein. Non, pour l'instant, on peut rien faire. Ah, c'est peut-être un raccourci pour revenir là-haut. Mais nous, on n'a pas le grappin suffisamment long. Oui, apparemment, je crois que tu l'as dans ce truc. Hein. Bah, je suis pas sûr, justement. On peut peut-être monter ici. Il me semble que la porte là-haut n'est pas ouverte avec une clé. Est-ce qu'on peut le buter l'autre ou pas? J'oublie toujours. Je crois pas, justement. C'est ça le problème. Oui. Bon, alors, on va gagner du temps. Et c'est un fail. Totalement. J'ai dit, on va gagner du temps. Merci. C'est très dangereux. Mais ouais, mais donc on fait comment? Bah, pour l'instant, tu peux pas. Bah si. Je vais le buter. Ok. Je sais qu'on peut. Oui, on passe en tout à droite. Vraiment col 3 à droite. Je crois que là, tu peux passer. Faut pas qu'elle soit tournée vers nous aussi, peut-être. Oh, insupportable. Et merde. J'y vais juste quand elle se tourne vers nous. Mais elle fait exprès aussi. Vas-y, là, tu t'en fous. Ouf. Tu vois un peu. En passant tout à droite, du coup. Ah, là, faut que je fasse. Si je me souviens bien de cette salle. Elle est chiante. Non, elle est chiante. Là, c'est fini. Il y a un truc non, je croyais qu'il y avait un autre monstre à côté. Non. Je me suis trompé de ça.
Alors. 50 petites clés, ouais. Non, c'est, ça doit être la carte ou la boussole. Oui, oui. C'est un peu con d'avoir la boussole avant la carte. Hein. Voilà, oui. Tant mieux. T'as la carte avant la boussole. Donc on était. Bah donc regarde la carte. C'est bon, je sais. Oh, tu vois. Ah, c'est enfin, bon. Là, on est dans l'autre, non? Bah oui. Ouais, c'est pour ça. Ça sert à rien de. Mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais mec. Ah non, mais attends. Mais d'où? Mais crève en fait. Attends, on va se mettre assez loin. Vas-y, il m'a enlevé 15 cœurs là. Ça abuse pas deux. Du tout. Ils ont enlevé 2 cœurs. Et elle évidemment ne donne pas de cœurs, c'est une bêtise. Oui, alors on peut se tracter là. On fait plein de trucs dans le désordre, c'est de malade. De toute façon, on va en avoir besoin des petites clés, et merde. Mais il faut se tracter sur le devant, j'oublie toujours. Ouais, t'es un peu bête. Eh oh. Non, c'est pas là. C'est là. Faut être précis dans le jeu. Ouais. Alors ensuite, il y a une sculpture d'or, il y a une porte qu'on peut pas accéder. Il faut les... C'est ça, il faut le champ d'épouvantail. Oui. Il y a tellement de pour accéder là, faut le champ de l'épouvantail. Quand la vie devient verte et va au-dessus, faut le champ d'épouvantail. Bon, il y a trop de choses à faire. Le champ de l'épouvantail, tu fais un truc simple. Ouais. Oui, mais on fera une note répétée, genre que des A. Le truc super compliqué. A. Bon, ouais, donc faut vraiment aller au labyrinthe. Je n'aime pas ce labyrinthe. On a fait un peu le labyrinthe par contre. Hein, mais ouais. De quoi? On vient de passer deux trucs. Hein. En plus, on n'a même pas réussi les balcons là. Alors que ça aurait pu nous faire pas mal de choses. Ouais, bah on le refera, c'est pas grave. Ouais. On est un peu bête quoi. C'est pas nouveau. Voilà ça. Ah, ça prend du temps ça. Mais ça va, le labyrinthe en soi il est pas hyper compliqué. C'est non, mais il y a plein de trucs à faire donc. Ouais, c'est ça. Puis il y a des choses qu'on peut pas faire pour l'instant. Ah oui, c'est ça. Regarde, il y a des flèches peintes sur le sol. Bravo! Heureusement que tu me le dis. On est chiant. Très. On sait pas comment il tire un truc de 15 tonnes. Mais... Faut pas se poser la question. C'est ça. Il le fait, enfin c'est tout. C'est comme pousser en fait. Bah pousser déjà c'est légèrement plus possible. Très légèrement. Oui. Bon. C'est vrai que tirer un bloc comme ça qui a l'air bien lisse, je te demande comment il fait. Faut pas se demander ta vie. Ah, c'est long. Mais ça va, toi tu le connais. Oui, bah heureusement. Hop. Enfin, la première fois, j'ai vraiment galéré. Ouais, bon, depuis la première fois, tout va bien. Oh, ça c'est gaspillé aussi. Le problème, c'est qu'il y a plein d'étages dans ce temple. Oui, on repart. Oui. Du coup, c'est un peu dur de s'y repérer. Là, il y a une échelle, voilà. Il y a plein de petits trucs. La première fois que tu le fais, tu te demandes comment faire, quoi. Tu te dis, mais pourquoi c'est bloqué? Non, c'est pas là. Voilà, c'est là qu'on le pousse. J'aurais direct dû monter. Hein. Mmh. Je suis pas très fut-fut. Ah bah ça va. Voilà. Ensuite, on repart. Mais bon, une fois que c'est fait, là, on pourra emprunter ça vite fait. Oui. Ah. Ils aiment bien nous faire galérer. Ah bah, ça s'est fait exprès. Hein.
commence à tomber. Encore un. Voilà. Et donc on arrive à la fin du labyrinthe. C'est pas vraiment un labyrinthe. Mais... bah un peu. Il y a des flèches. Oui. Il y a des flèches. C'est tellement bizarrement construit que j'appelle ça un labyrinthe. Ouais, c'est pas fou. Non, on s'en fout de ça. Heureusement qu'on a pris la deuxième petite clé. Ouais. Ah, je déteste ce couloir. Listen. Ce couloir est tordu. J'avais pas remarqué. Heureusement que tu nous le dis. Bon, et bah écoutez, on va se retrouver là-dessus parce que la vidéo commence à se faire longue. Donc nous, on va continuer direct. Et pour vous, ça fera deux vidéos. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était Nathan en compagnie de Flix sur le... voilà. Zelda Ocarina of Time. Voilà, exactement. Je viens de secours. Le temple de la forêt. Donc on se retrouve juste après.